Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGains.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de la Google Nexus Player. Donc, je remercie tout d'abord Jim pour nous avoir prêté donc sa Nexus Player qu'il a importé des États-Unis. Donc, on a le pack complet d'ailleurs. Donc, on a d'abord la télécommande, on a la console, on va dire l'Android TV, et on a même la manette. Donc on va commencer, on va voir au niveau des reviews ce qu'on va faire. Pour les benchmarks, au moment de cette partie de la vidéo, je n'en ai pas fait. Je ne sais pas si je pourrais parce que Android TV est un peu particulier. C'est pas pareil que pour un Nexus classique, enfin comment dire, pour un Android pur. On y reviendra. Donc on va faire avec ce qu'on a, on va dire. Donc vous verrez au fur et à mesure du test ce qu'il en est. Donc la Google Nexus Player, il faut savoir donc comme je viens de le dire en fait, donc c'est pour l'instant c'est pas vendu en France. Ça viendra peut-être mais pas tout de suite. Il n'y a pas encore eu de date, il y a encore rien. Donc pour l'instant on va dire qu'on teste quelque chose qui n'est pas encore vendu ici. Donc on va dire que son principal concurrent qui est aussi pas encore arrivé ici, c'est la Fire TV de Amazon. Qui est donc dans le même principe et étonnamment proche d'ailleurs. Donc ce qui fait que je vais pouvoir un peu comparer puisque j'ai pu la tester il y a quelques mois, donc en novembre, donc cette Fire TV, et on va voir qu'il y a beaucoup de points de ressemblance au final, et j'ai l'impression que ça va être quelque chose de très très important. Donc tout d'abord, bah, là vous voyez, donc j'ai pris ma petite tablette pour essayer de vous montrer un petit peu ce qui est vendu, hein, un petit peu. Donc vous voyez, donc c'est un petit truc tout basique. Donc on va regarder vite fait par rapport au spec, tout ça. Donc il faut savoir d'ailleurs, j'ai oublié de dire le prix. Le prix, c'est que donc la télécommande avec la Nexus, c'est environ 100$. Avec la télécommande, vous rajoutez à peu près une trentaine de dollars, la télécommande, la manette. Et au niveau des specs, on va être plutôt gâté. Donc on va voir, donc on peut voir qu'ici, donc on a justement ce qui est vendu là. Donc en fait ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir une interface, on commence un peu à avoir l'interface, là c'est plus pour montrer les vidéos, une interface qui est totalement différente d'Android, de ce qu'on connaît d'Android, et qui est vraiment adaptée à la TV. C'est vraiment pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Android TV, c'est justement que ça a été adapté à la TV, et donc ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de très différent, tant au niveau des applications, qui doivent être adaptées à la console, entre guillemets, et l'interface qui est adaptée pour pouvoir être utilisée très très simplement, bien plus simplement par exemple que ce que j'avais testé il y a quelques temps, la MovieCube d'Emtek, qui utilisait Android pur, et ce qui fait que on a une expérience très très différente. La petite télécommande, pourquoi j'ai fait une fixation sur les télécommandes? La petite manette, donc manette qui est de Asus, hein, on peut le voir, donc c'est en fait ça a été fabriqué par Asus, on ne le voit pas ici, voilà, donc c'est Asus qui a créé tout ça, on peut voir ici Asus. Donc il faut savoir que Asus, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en collaboration avec Google, puisqu'ils avaient fait la Nexus 7 notamment, et la Nexus 7 2013 aussi. Donc ce qui fait qu'on a Asus est déjà en collaboration depuis longtemps avec Google. Au niveau des spécifications, on y arrive. Donc on a un quad-core Intel Atom. Donc c'est un Z3560 après quelques recherches. Z3560, c'est quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment. On l'a sur aussi l'Asus Zenfone 2 qui vient tout juste de sortir en plus. C'est un processeur qui va être un peu particulier puisque il va être plus performant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Intel, moi j'avais pas apprécié. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois déjà, on avait testé une T-Class avec un Z3736F, un quad-core aussi, un peu compliqué, mais c'est un quad-core en gros aussi Intel Atom, mais on va dire un peu plus bas de gamme. Alors que l'appellation pourtant fait en sorte que ça fait plus haut de gamme, c'est ça qui est un peu bizarre, et utiliser un processeur graphique qui était processeur Intel. Malheureusement j'étais assez déçu parce qu'autant sur les benchmarks ça se débrouillait bien, autant en vrai c'était pas ça. Là ça va être un peu différent puisque donc on va avoir un vrai véritable quad-core, toujours sur l'architecture x86, donc qui vient d'EPC. Sur Android on est sur une architecture ARM, Cortex très exactement. Ce qui fait que les débuts d'Intel avec son architecture, qui a dû être adaptée, a été un peu compliqué. Aujourd'hui, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, puisque en termes de GPU qui n'est pas affiché là, on va avoir droit à un G6430,
qui développe 137 gigaflops. Donc en gros, on se retrouve avec l'équivalent d'un Snapdragon 801. Donc ça a l'air plutôt très sympa. Même peut-être plus, mais ça on y reviendra, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, comme moi je n'ai pas eu la boîte, qu'est-ce qu'il y a de vendu avec la Nexus Player? Donc, je l'ai dit, il y a la télécommande, l'adaptateur, puisqu'il faut bien sûr pouvoir la brancher quand même, hein, parce que bon, ça ne tourne pas comme ça. Deux piles pour pouvoir mettre dans la télécommande. Un petit truc de démarrage rapide, garantie, etc. Mais par contre, alors, il n'est pas vu que c'est vendu que à 100$, c'est vendu sans le câble HDMI. Et la connectivité Internet doit se faire via Wi-Fi, puisqu'on peut le voir. On a juste donc la prise power, une micro USB et la prise HDMI, c'est tout. Donc c'est en fait le minimum, c'est d'être le plus simple possible, hein, forcément à prix serré, voilà. Donc là, on a les magasins sur lesquels on peut acheter. Donc Google Store, bien sûr, on ne peut pas. Amazon.com, avec les douanes et tout, ça peut valoir peut-être un peu cher. Vous pouvez essayer via eBay, peut-être aussi. Best Buy, Staples, New Egg et TigerDirect.com. Donc des trucs vraiment américains, hein. On ne peut pas faire mieux que ça. Bien, maintenant qu'on a fait un petit tour sur la petite tablette, on la met de côté. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemble justement cette petite Android TV. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que Google a vraiment voulu faire quelque chose de très discret. Donc, on a juste écrit Nexus. On a, donc c'est du tout plastique. Hein. C'est dans un plastique soft, c'est hyper soft, il n'y a rien, il n'y a pas de détails, c'est minimum, c'est rond. C'est aussi simple que ça. Donc, Nexus au milieu, on a donc un plastique, alors là, c'est un peu granulé, très légèrement. Rien de plus à dire. Donc, autour, nous sommes sur donc une bande... Oula, plastique donc glossy, donc il a tendance bien sûr à prendre les traces, bon c'est pas très grave. Et en dessous nous avons cette fois-ci encore un peu dans le granulé comme ici, peut-être en plus doux, c'est un peu différent. Et donc au centre nous avons, donc ça doit être pour le power je pense, pour pouvoir le mettre en veille, ainsi qu'une petite LED pour montrer que c'est en marche ou non. On peut voir ici, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, le power. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas sur de la micro USB, mais sur un bouton power propriétaire. Donc c'est quelque chose qui doit être un peu standardisé, mais moins que le micro USB aujourd'hui. Un peu dommage. Et donc du HDMI normal. Il aurait pu avoir possibilité d'avoir du micro HDMI ici, comme ce qu'on peut trouver sur certaines... Je vais essayer d'avoir un meilleur angle. Hop. Voilà, donc du micro HDMI qui aurait pu me permettre une plus petite, ça prenait moins de place. On a bien sûr tout ce qui est FFC, enfin FCC bien sûr, c'est US Listed, donc ça doit être, oula excusez-moi, US Listed, ça doit être un peu comme nous pour le CE, ça veut dire qu'en gros c'est accordé, enfin en gros ça peut entrer dans le territoire USA, ça a été vérifié, etc. Donc c'est un Asus Nexus Player, modèle TV500, donc made in China, mis en 12 volts, c'est du 12 volts, 1,5 ampères, 18 watts. Donc là, 18 watts, on est quand même aussi un peu au-dessus de ce que consomme un téléphone. Un téléphone, c'est pas plus de 5 watts, là on est à 18 watts, c'est un peu plus. Hein. Bref, maintenant, on va passer à la télécommande. Télécommande, alors déjà on a les piles, Alors, c'est un peu bizarre, puisque les piles... Non, c'est là. Non, c'était bien là. Hop. Donc là, deux petites piles. Deux piles AAA. Donc là, ça doit être celle qui était intégrée avec, je pense. Et donc, voilà, tout simplement. Alors, on aurait pu avoir le choix des batteries, mais alors, avec les batteries, vous le savez, le gros souci, c'est que déjà, il faut recharger assez souvent. Et le deuxième souci, c'est que au bout d'un moment, les batteries sont de moins en moins efficaces. Et si vous voulez les garder longtemps, c'est pas une bonne idée. On peut voir d'ailleurs que là, ça, comme j'appuie sur une touche, ça l'a réveillé. Donc là, on peut voir que ça clignote. Ça veut dire que donc on peut ça veut dire qu'elle est en route, quoi, qu'elle est réveillée. Et on peut faire de la recherche vocale. Donc c'est là où on va voir. On montrera, mais comme ça, ça n'a pas été adapté pour. La reconnaissance vocale française, avec la voix française, ça marche pas très très bien, surtout sur les jeux. Là où la Fire TV était un peu meilleure là-dessus.
Voilà, donc là on a vraiment l'essentiel aussi, hein, c'est-à-dire que là on a le OK, là on a le bouton Home, bouton retour, Play Pause pour se diriger sur les menus et recherche vocale. C'est vraiment le minimum. La recherche vocale, en gros, ça remplace le clavier, mais malheureusement, c'est pas très très bien pour nous. Il faut savoir que d'ailleurs, je reparlerai, le souci aujourd'hui, c'est que la reconnaissance vocale en anglais, ça marche plutôt bien, mais en français, il y a encore beaucoup de travail, puisque forcément, il y a moins de gens qui sont dessus, comment dire, ça concerne aussi beaucoup moins de personnes, donc forcément, bah, c'est un peu plus compliqué d'avoir quelque chose d'efficace. Dernière chose, on va parler de la manette. Alors manette Asus, on sent que très franchement, on sent qu'ils n'ont pas vraiment été très comme constructeurs en gros de manettes. Ou alors s'ils en ont fait, il faut qu'ils retravaillent celle-ci. Alors au niveau de l'ergonomie, on se trouve avec une manette de Xbox 360 en gros en plus carré, plus massive, et avec la différence que on a les deux sticks ici. Donc moi je préfère personnellement avoir le stick gauche à la place des boutons multidirectionnels et les boutons multidirectionnels ici. On a donc une façade glossy, d'ailleurs ça prend un peu les traces de doigts, donc c'est pas très très beau. D'ailleurs je comprends pas trop pourquoi ils ont laissé toute cette façade là, alors que justement c'est là où on laisse nos doigts un maximum. Bon, pourquoi pas après tout. Ici, on a l'indicateur que la manette est connectée et bah aussi au niveau de la batterie, etc. C'est là que ce sera indiqué. D'ailleurs, au niveau de la batterie, on y reviendra un peu après. Au niveau je ne sais pas comment trop appeler ça, mais de cette partie-là. Alors, le souci, c'est que je trouve qu'au final, même si ça a l'air massif comme ça, bah, je trouve que c'est un peu trop fin ici. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir la manette dans les mains et c'est pas super agréable. On dirait qu'il manque quelque chose. Au niveau des gâchettes, alors là, ça va être encore assez particulier. Donc autant ici sur ces boutons hautes, les gâchettes hautes, j'aurais pas trop de soucis. Autant les gâchettes basses, c'est très très bizarre en fait d'avoir. Enfin, elles sont assez dures par rapport à des gâchettes classiques. Et c'est-à-dire que par rapport aux gâchettes classiques où ça s'arrête net, et ben là, on a l'impression de toucher comme un espèce de ressort au bout. Et on dirait que c'est tout le mollasson un peu dur, mais tout le mollasson quand même, c'est super chelou. Dernière chose, alors là, c'est les piles. Alors là, autant. Même sur une manette Xbox 360, ça prenait pas autant de place, mais alors là, ça prend une place assez impressionnante, et je pense que c'est aussi ça qui pose un problème côté ergonomie, puisqu'on se retrouve avec, en gros, une grosse épaisseur sur cette partie-là, et la partie pile, en fait, prend énormément de place. Je ferai après une petite comparaison avec ma manette Xbox 360, mais en gros, même Xbox One, mais en gros, bah voilà, on a toute cette partie-là, en gros, c'est pour les piles. Et sachant qu'une manette Xbox One, donc là, ça c'est sorti en novembre 2014. En 2013, Microsoft avait sorti la manette One. Donc déjà, elle est plus légère. Elle est. Bon, quoi que ça se voit à peu près, parce que bon, il y a aussi les manettes vibrantes, enfin les gâchettes vibrantes. Mais en fait, déjà ici, en fait, donc c'est plus dur, mais ça s'arrête d'un coup ici, alors que là, c'est un peu mou, c'est super bizarre. Puis même, le design des gâchettes est un peu bizarre. On a l'impression que elle fait super massive, en fait, la manette. Et c'est un peu en contraste avec, justement, le reste, en fait, de la Nexus, qui est super souple, super fin. Avec le minimum, là, ça fait limite, ça fait grossier. C'est un peu chelou. Même les sticks sont. Ils se font un peu cheap en fait, parce qu'on n'a pas la qualité des sticks des sticks console, ce qui fait qu'on se retrouve avec une manette vraiment trop massive. Et donc là, je le montrais pour les piles. Alors là, les piles, vous voyez, c'est tout simple, hein, les piles, elles sont là. Hop, elles sont bien cachées. Ce qui fait que la manette est très fine et très, très compacte, et ce qui fait qu'on a une bonne prise en main en plus, parce que justement, on a un design un peu plus arrondi, un peu plus. Large ici, enfin c'est mieux fait, surtout c'est beaucoup plus fin. Là on peut voir la finesse. Je sais pas comment je pourrais vous montrer ça, mais en gros, hop, oui, ça se voit quand même ici. Ça se voit énormément. On a une finesse vraiment qui n'a rien à voir. Donc c'est vraiment dommage d'avoir ça. Autre souci en jeu, c'est que nous on a l'habitude en jeu de faire ce bouton-là pour start, alors qu'ici c'est le bouton Home. Donc, ce qui fait qu'on revient très souvent au menu, et le bouton Start, en fait, c'est ce qui remplace le bouton Select, c'est le bouton Retour. Quelque chose à savoir,
On y reviendra en jeu. Et comme je l'ai dit, bah voilà, on a pas mal de traces de doigts. Sinon, le bouton multidirectionnel, donc on pourrait se penser que ce n'est c'est un des boutons qui sont indépendants, c'est un même, en fait, c'est au final, c'est bien un même, comment, une même pièce. On peut voir que tout bouge, hein. Bonne qualité. Mais c'est les sticks enfin, entre l'épaisseur et les sticks, c'est vraiment deux choses que je trouve vraiment dommage sur cette manette, parce que bah, les sticks, ouais, font vraiment pas de bonne qualité. Enfin, ça doit être résistant sur le temps, mais ça donne pas la meilleure. On n'a pas la meilleure, comment dire, ergonomie avec. Et donc ajouter à ça, ce qui fait que la manette n'est pas mauvaise en soi, mais c'est pas la meilleure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en appairer d'autres. Donc possibilité à mon avis de mettre entre autres d'autres pads de Bluetooth. Donc si possible une manette de type 360, ça pourrait passer. Donc on en a terminé. On va maintenant passer sur la télé. On va en présenter un petit peu la surcouche Android TV qui est assez particulière et en même temps bien pensée. Pour la partie jeu, on sera divisé en trois catégories. On aura les jeux avec télécommande ici, jeux pour tous, donc ça va être du grand public, et jeux d'action. Alors là, on va être plus dans l'action, donc avec des jeux plus violents globalement. Donc nous, on est adapté pour les enfants en général. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc on a Octagon TV, donc là ça a l'air d'être un jeu qui a l'air spécialement fait pour la TV. On va regarder vite fait ce que c'est d'ailleurs. Donc Octagon est facile à prendre en main et à jouer, mais extrêmement addictif. Donc en gros, ça va être un jeu très très simple où apparemment on doit bouger debout. Là, en gros, ça doit être un petit runner classique mais avec des bons petits graphismes très simples. Pourquoi pas? Donc oui, effectivement, ça rentre dans la catégorie grand public et ça doit pouvoir se jouer juste avec les touches. Asphalt 8, qui a aussi, c'est un peu particulier, Asphalt 8 en touche, pourquoi pas? D'ailleurs, on va installer vite fait Asphalt 8. Hop là. Donc voilà, on peut voir aussi un peu l'installation d'un jeu. Alors là, on a Badlands, on a Skyforce, Hungry Shark, Rayman Fiesta, Tabletop Racing, Détestable Moi, Oberon, The Frog TV, pardon, Running Shadow, Âge de Glace, Le Village. Donc Gameloft aussi fait des efforts là-dessus, ils essaient d'être vraiment toujours partout. Donc là, Le Village, donc c'est-à-dire qu'on va avoir droit à un jeu social qui est adapté à la TV. La plupart des jeux sociaux actuellement ne sont pas adaptés. Donc ça change un peu, il y en a au moins un. On a Riptide GP2, Shipstaker, et voilà, blablabla. Bla bla. Le souci, c'est qu'après, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres des jeux. Le problème, c'est qu'on est limité ici en suggestion, et c'est problématique. Ensuite, on joue à la manette. On a Gunslug, MG Cube, Leos Fortune, Castle of Illusion, God Simulator. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un jeu où en gros, c'était à la base, c'était pour tester un moteur de jeu. Avec justement toute la physique, et puis le jeu a pris une telle ampleur que bah, ça s'est vendu sur internet un peu partout. Soldat Inconnu, qui est le portage d'un jeu donc console, Xbox Live Arcade notamment, et sur PS4 aussi, et ça a été mis sur Android parce que bah, voilà, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de ressources et qui est très bien et à faire. C'est un très bon jeu. On a Lapin Crétin, Snowboard Party, Bomb Squad, que je conseille aussi énormément, on fera un petit tour tout à l'heure. Tech 01, HR Classique, Turbo Dismount, etc. On en a plein. On va terminer avec les jeux d'action, quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous, et surtout moi. Alors là, on va commencer avec Game of Thrones, Modern Combat 4. Il y a le 5, mais il n'est pas affiché là. On a Oddworld, Star Wars KOTOR. KOTOR, un jeu absolument à faire. Donc ce qui est bien, c'est qu'on aura vraiment l'impression d'être sur une console. Et en plus de ça, bah, voilà, il est ici. The Wolf Among Us, Indy 500, Soul Calibur, Exeus, Broadsword, Garou, Soulcraft 2, Meltdown. Ça, on va revenir après pour la recherche justement, parce que normalement le jeu est gratuit, là on a une version payante. Alors à vérifier, est-ce que c'est, voilà, c'est une version premium, mais normalement il n'y a pas une version premium. Donc on peut marquer comme inapproprié, donc ça doit permettre après de pouvoir avoir une autre suggestion de jeu selon ce qu'on trouve approprié ou non. On a les Walking Dead, Real Boxing, The King of Fighters, Bartel, Final Fantasy, RPG, Radiant Defense, Sky Gamblers, Double Dragon, etc. On en a d'autres, Reapers et plein d'autres, mais qui ne sont malheureusement pas affichés. Ici, on va avoir les mises à jour et téléchargements. Donc, oui, ça. On va avoir d'une part les téléchargements et mises à jour qui sont ici. Donc là, Asphalt 8, d'ailleurs, on va voir où il en est. J'ai pas une très grosse
connexion, on voit que ça avance pas très très vite, donc j'aurai sûrement une coupure dans la vidéo entre le moment où j'aurai fait la surcouche et le moment où j'aurai fait ce jeu-là. Hop, la suite, les paramètres. Paramètres, donc on a les applications qu'on a installées. Donc, mise à jour, là on peut voir qu'on peut choisir si on veut mettre à jour automatiquement les applications ou non. Téléchargement, installé. Voilà, après on a tout ce qui est mise à jour. Filtrage de contenu, autorisation d'achat et à propos licence open source, classique. Petite chose à savoir, c'est qu'on peut avoir qu'un seul compte par Android TV. On ne peut pas en ajouter plusieurs. On n'est pas comme sur Android. Donc ce qui fait que moi, par exemple, j'ai des jeux que j'ai achetés sur mon compte perso et des jeux qui sont achetés sur Android Games. Et bah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre les deux. Donc c'est un peu dommage. Surtout s'il y en a, pareil, qui ont fait l'erreur d'avoir deux choses. En général, sur les Android, on peut en mettre deux. On a aussi plusieurs comptes pour diverses raisons. Voilà, on n'en aurait qu'un seul. C'est un choix comme un autre. Après, c'est un peu dommage. Et ce qui fait que, par exemple, les musiques, bah, moi, comme toutes mes musiques sont sur mon compte perso, bah, c'est problématique aussi. Alors après, nous, c'est un peu particulier, mais il arrive souvent qu'il y a des gens qui prennent un mail pro, un mail pour les jeux, un mail pour les spams, des petites choses comme ça. Donc là, on peut voir d'ailleurs que donc on voit un peu que c'est un petit peu différent encore de ce qu'on a un peu sur Android, puisque là, ça s'adapte à la TV, ce qui fait que ce qui est caché pour nous sur cette partie de l'interface, qu'on doit en gros swiper pour le montrer, et bien là, c'est déjà montré, donc Activity Center, Commanded, d'ailleurs, il n'a pas été traduit, ce mot-là, alors tout le reste, oui. Ma bibliothèque, alors là, malheureusement, je crois que j'ai rien, si j'ai ça. Donc, ce qui fait que, voilà, on a ça. Et l'autre souci, c'est que, donc, comme je l'ai dit, on n'a que 8 gigas de stockage. J'y reviens très vite après. Ce qui fait que, bah, en gros, il va falloir vraiment s'accéder sur le cloud pour tout ce qui est écoute de musique, film, etc. Donc, le souci, c'est qu'il va falloir aussi une bonne connexion. Et moi, et mes 8 mégas, c'est un peu limite. On a les mix instantanés, etc. Bon, après, c'est du classique. Et on a même le service, donc, comme vous savez, pour pouvoir s'abonner et avoir plein de musique pour 10 euros par mois. On a Netflix, je ne vais pas l'ouvrir, ça commence à être connu. Netflix, c'est quoi? C'est des films, des séries. On va pouvoir choisir avec le même type d'interface en plus de ça. C'est une interface qui a tendance à beaucoup se répandre d'ailleurs. Ce côté un peu tout en ligne, comme ça, on propose diverses choses par ligne. Netflix a abordé ça. Il y a Fire TV qui est aussi dans le même principe. On a donc là, Android TV. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment très très adapté, et puis même, j'ai envie de dire, même l'Xbox One, avec son interface, et même sur l'Xbox 360, ça a commencé, sur les dernières mises à jour, à être aussi dans le même principe que ça. Bon après, sur l'Xbox One, c'est un peu différent, en gros, hop, on va faire un petit switch sur la One, on va revenir à l'interface, vite fait, mais en gros, pour les jeux, hop, on va voir aussi ce côté de tuile, et vous voyez, c'est toujours en ligne. Alors là, on a deux lignes par contre qui sont montrées, avec plein d'applications aussi. C'est vraiment, on va avoir quelque chose d'unifié. C'est là où Microsoft a bien joué sur ce coup-là, et peut-être a un peu anticipé toute cette partie un peu des micro-consoles, etc., avec plein d'applications. Donc j'ai Netflix aussi, j'ai Messages, etc., Skype, OneDrive. Et ce qui fait qu'on se retrouve un peu avec quelque chose qui a un petit air de déjà vu au final. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si inconnu que ça. Qui donc a l'air d'être par toutes les personnes qui sont dans ce type de métier, de l'ergonomie, ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air d'être le plus adapté, pour l'instant en tout cas, là-dessus. On va terminer avec jeux. Donc jeux, pour ceux qui connaissent et qui l'utilisent, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors il faut savoir que le service Google Play Jeux, ça va permettre d'une part de pouvoir trouver quelques jeux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on le sait un peu moins. C'est pas une application qui est très très utilisée, même pour nous, hein, chez Android Games, c'est quelque chose de très très secondaire. Mais donc on peut trouver des jeux, on peut trouver des joueurs aussi, on peut se comparer à eux selon les jeux, etc. Et on a nos jeux. Alors là, par exemple, on va pouvoir voir nos réussites dessus parce qu'on a les succès. Hein, même principe, Microsoft a fait un très très gros, a très très bien réussi son truc avec les succès, ça a été repris après par PlayStation, et maintenant c'est même repris par le Game Center d'iOS depuis longtemps, et maintenant ici. Ce qui fait qu'on peut avoir plein de jeux avec justement des réussites, hein, des succès là-dessus, et ce qui va permettre de se comparer sur les jeux. Et dernière chose aussi, ça va permettre de récupérer, alors ça marche plus ou moins bien selon les jeux, et c'est plus ou moins bien intégré,
Donc ça, c'est encore un peu problématique malheureusement. Par exemple, il y en a qui n'utilisent pas du tout le cloud pour la sauvegarde des jeux. Ce qui fait que bah, des jeux qu'on a déjà commencé sur tel support, on ne pourra pas le continuer ici. Et d'autres aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Google a un très très gros retard là-dessus. Amazon, ils ont moins d'applications dans leur jeu, enfin dans leur App Store. Par contre, ils ont un système de cloud qui est beaucoup plus perfectionné et qui est utilisé pour toutes les applications, normalement. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de bien plus fiable là-dessus. Un système de cloud unifié qui peut se faire n'importe quand. En plus, ils ont une petite pop-up et tout pour pouvoir faire ça en temps réel. Et donc ça, c'est super pratique et c'est ce qui manque encore à Google. Donc voilà. On va maintenant... qu'est-ce que je peux dire un peu sur cette interface ? On va terminer avec les paramètres. Avant de passer au jeu, alors ça, on va pas avoir de benchmark malheureusement, puisque c'est pas fait pour être comme un Windows ou comme un Android classique où on va pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Là, c'est extrêmement limité en termes de choses qu'on peut mettre dessus. Ça va pas être quelque chose où on va pouvoir faire du Word, du Excel, etc. C'est vraiment une console multimédia. C'est pas c'est vraiment une Android TV. C'est pas une micro console ou un micro PC sous Android. Attention. On peut voir qu'on peut gérer le Wi-Fi très simplement, donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a autour. On peut connecter par WPS, hein, classique aujourd'hui. WPS, pour ceux qui ne savent pas et qui pourraient apprendre quelque chose de très très simple, c'est en gros vous appuyez sur le bouton Wi-Fi, sécurité Wi-Fi, la même chose que si vous mettiez votre code, vous faites ça, vous faites connecter en WPS, et paf, les deux se connectent sans mettre de code. Ça permet de gagner beaucoup de secondes et moins de se faire chier à essayer de retenir un code chiant qui sert à rien. Google Cast qui va permettre de balancer à un autre endroit des choses. Donc par exemple, je pense que je peux via Miracast envoyer mes données ici, enfin mon écran ici sur un autre Android. Son du système. Alors le son du système, c'est simple. Oui, non. On ne peut pas faire plus simple. Application, donc là on va pouvoir toutes les applications qu'on a installées, ça va être ici. Donc on peut voir un peu ce qui prend la place ou non. On peut voir ici ce qui est ici et ce qui est ici en cours d'exécution. Donc là, il faut savoir que le côté multitâche est totalement absent. On n'a pas du tout de multitâche. Donc là, je vais essayer. Il n'y a rien du tout. Bon, je ne crois pas. Voilà, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Donc il n'y a pas du tout de multitâche. Quelque chose à savoir. Donc pareil, c'est vraiment les 1 giga de RAM. Alors il faut savoir qu'on n'a qu'un seul giga de RAM. Les 1 giga de RAM sont largement suffisants pour une utilisation comme ça. Puisque c'est vraiment une utilisation qui ne va pas du tout être multitâche. On va aller au stockage, et c'est le souci de cet Android TV. On n'a que 5,8 Go de libre, puisque c'est un 8 Go là. C'est très très problématique, puisque Google, jusqu'à maintenant, il voulait plus de carte SD. Sous Lollipop, normalement, c'est revenu. Ils décident que maintenant, ils vont réautoriser en fait la possibilité d'écrire, en gros, de mettre les jeux sur la carte SD. Le souci, c'est que là-dessus, on ne peut pas mettre de clé USB, on a juste un port OTG à la limite, et c'est même pas sûr qu'on puisse les mettre dessus. Et ce qui fait que il me reste quoi? Il me reste 0,98 Go. Je sais même pas si Assault 8 va passer là. Et c'est problématique, puisqu'au final on va se retrouver très limité en jeu, alors que ça pourrait être une très très bonne console alternative pour moi face à ce qu'on pourrait voir. Donc ça, on va voir dans la partie jeu, face par exemple à une Xbox One comme j'ai chez moi. Après on a adaptateur, langue, donc langue en français, clavier, clavier ça va être simple, hein, on choisit le type de clavier, c'est pour ça que je suis en QWERTY, on peut pas modifier ce clavier, on a juste ce qu'il nous propose, clavier lean-back, donc c'est les tout derniers claviers en fait de Google, rechercher, donc là ça va être plus par rapport donc, à la langue, etc., donc enfin, c'est par rapport au compte, reconnaissance vocale, donc là ça va être... Voilà, langue, sortie vocale toujours, bloquer les termes choquants, ok, accepter, option pour les développeurs, ça ne nous intéresse pas. On va pouvoir mettre d'autres télécommandes accessoires, moi j'ai laissé les trucs de base, donc Nexus Remote, qui est donc la petite télécommande, et Asus Gamepad, qui est donc là, le gros pad, là, le gros pain de briques, là, je sais pas quoi, énorme, qui sert de manette. Et on peut en ajouter d'autres, ce qui fait qu'on va pouvoir, avec le Bluetooth, utiliser plusieurs manettes pour, par exemple, jouer à Bomb Squad. Position, sécurité, restriction, et ensuite le Google, donc là c'est pas le mien, c'est celui de la personne qui me l'a prêté. On va terminer avec la petite recherche. Alors j'ai de la chance là-dessus, puisque en 5.0, la recherche du jeu n'était pas très très efficace, elle était même complètement hachée, ce qui fait que par exemple Dead Trigger, quand je cherchais ça,
bah ça marchait pas du tout. Alors que là, hop, donc on appuie, on va faire notre recherche. Dead Trigger 2. Voilà, donc là il l'a bien trouvé. Il faut savoir qu'en 5.0 ça marchait pas. Donc là ce qui est bien c'est que quand on est sur l'interface de base, ça va, alors ça va, on peut voir qu'on peut chercher soit sur YouTube, et on peut voir que ça a plutôt bien marché. À part que je me mette beaucoup à Enkid et puis je vais faire masse de vidéos comme ça, je vais peut-être devenir riche comme ça. On a Musique X-Match, donc qui va permettre de chercher des trucs qui ressemblent. On a pas vraiment quelque chose qui ressemble, mais c'est pas grave. Et enfin, on a les jeux, et puis les jeux qui pourraient être en rapport avec. Donc voilà, donc là ça marche plutôt bien. Faut savoir que ça a pas mal été modifié entre 5.0 et 5.1, ça marche bien. Ce qui fait que si je recherche aussi Modern Combat 5, allez on va essayer. Modern Combat 5. Donc là ça marche très très bien. Donc je le répète encore une fois, en 5.0, Modern Combat 5 ne le comprenait pas. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec même Gladiator, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Modern Combat. Ouais, ça c'est sûr, hein. César, Rome, le Colisée, c'est très récent. Et enfin Modern Combat 5, on a même Modern Combat 4, hein, Dead Trigger, hein, blablabla. Et après des choses qui peuvent être en rapport. Donc après c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver différents jeux, c'est avec la recherche vocale. Qui va vous permettre, alors je sais même pas s'ils y sont, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, qu'est-ce qu'on pourrait chercher, est-ce qu'ils ont mis Blood Bowl, Blood Bowl, il l'a trouvé, et malheureusement il n'y est pas. Donc voilà, on peut, comme ça, ça va nous permettre de chercher quelques jeux que l'on connaît. Malheureusement, comme je l'ai dit, ben, voilà, on ne peut pas trouver ce que l'on cherche. On peut voir aussi en téléchargement, donc là ça avance plutôt bien, on a la moitié. Alors j'en suis qu'à la surcouche, donc ça va me permettre de jouer en attendant que ça s'installe. Ça va me permettre, alors en jeu, donc j'ai dit il n'y a pas les matchmarks, donc ce qui fait qu'en jeu, je vais beaucoup parler. Ce qui fait que si vous voulez regarder les jeux, comment ils se comportent, vous switchez parmi les autres jeux. Parce que j'ai parlé du hardware, j'ai parlé des différents jeux qu'il y a, etc. Et même du monde du jeu, comment ça peut évoluer, etc. Donc maintenant, on passe à la suite, et donc le jeu, puisqu'on n'a rien d'autre à tester. Donc on se retrouve sur Dead Trigger 2, donc on va faire une petite partie pour montrer un petit peu. Je vais parler, alors là, vous voyez déjà, ça commence bien, c'est que ça rame un peu, hein. Ça rame, oui. Il faut savoir que le jeu n'est qu'en moyen, malheureusement. Puisque le gros problème, c'est que c'est du Intel. Alors, pour rappel, c'est du Intel Z3560. Alors, malheureusement, je peux pas faire de benchmark. C'est pour ça qu'on va parler pas mal de la partie jeu ici. Je vais beaucoup la développer et beaucoup parler. Donc, pour ceux qui veulent voir vraiment ce que ça donne, je vous conseille de chercher à chaque fois un petit peu comment ça marche sur les nouveaux jeux. Enfin, sur les jeux, prochains jeux, avec la petite barre en bas sur YouTube. Sinon, si vous êtes prêts à écouter mes explications, voilà. Donc nous avons donc un Intel Quad Core Z3560, Intel c'est une architecture x86, donc une architecture qui a fait, comment dire, qui est très bonne sur PC, et en fait les Atom ont été, c'est du Atom du Betrel, là c'est du Betrel. En fait à la base Intel est revenu en fait avec les architectures des Atom qu'on retrouvait dans les netbooks, donc qui étaient déjà là pour de la basse consommation et basse performance. Donc dans le même principe que de l'ARM avec les Cortex. Le souci, c'est que Intel vers Android, c'est pas exceptionnel. Et en jouant un peu, je remarque qu'au final, c'est toujours pas vraiment le cas. Alors pourtant, il a une bonne grosse puce bien puissante. Donc en plus, d'ailleurs, nous avons donc un GPU PowerVR. Enfin, Imagination Technology, donc là, c'est plus les PowerVR, c'est les ROG maintenant, donc une puce dernière génération. La 6430, donc c'est une puce très puissante qui développe 160 gigaflops, qui a plein de petites features, qui a des processeurs spécialement dédiés pour les textures, etc. Et pourtant, on voit que Dead Trigger 2, qui est donc un jeu qui est plutôt joli en général, surtout quand il y a des effets, etc. Bah là il s'en sort, déjà on peut mettre le jeu en moyen, il détecte pas que c'est un gros truc, donc moyen maximum, et même en moyen il arrive à ramer malheureusement. Donc ça c'est assez problématique, ce qui fait qu'on a un jeu qui est pas très très beau, qui est beaucoup moins beau que ce qu'on pourrait s'attendre au vu de la puissance de la puce.
Alors, est-ce que c'est Unity qui a pris le Mac X86? Je sais pas, puisque ça y est sur Steam. Je pense que Intel actuellement c'est toujours pas prêt pour l'Android, ce qui fait qu'on a quelque chose de puissant, et pourtant je suis toujours pas convaincu quoi. Alors on va me dire peut-être que je suis peut-être un peu méchant avec Intel, mais non, moi je les attends quoi, c'est-à-dire que plus il y a de concurrence, mieux c'est. Et qu'Intel s'y mette, bon après ils ont déjà le monopole sur PC, alors après est-ce qu'ils arriveront à faire le monopole sur Android, je sais pas. Mais j'ai pas été emballé par cette puce parce que elle a des performances qui sont correctes, mais au vu de la gueule de la puce, de ce qu'elle contient, on est censé avoir quelque chose d'assez puissant quoi, c'est-à-dire on est censé avoir quelque chose qui déboîte un peu, qui devrait chatouiller. Qui devrait chatouiller du Snapdragon 601. Alors Snapdragon 601 aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant maintenant. Il y a le Snapdragon 610 et l'Exynos 6. Exynos 6 qui est d'ailleurs pas tellement plus puissant en termes de GPU, et pourtant il est beaucoup plus puissant. Alors la 6430, alors on va chercher ça. C'est ce qu'on retrouve sur l'iPad Air, donc on est censé avoir quelque chose de très puissant quoi. L'iPad Air, on a des jeux dédiés. On va se refaire une petite partie pour continuer un petit peu. Et au final, vive le bug. Bug que je n'ai jamais eu. Alors est-ce que c'est de la fainéantise de la part des... D'accord. J'ai un bon gros bug, on va se mettre sur un autre jeu. Pourtant, voilà, on est censé avoir une puce bien puissante, et autant même sur même Modern Combat 5, on n'a pas quelque chose qui est vraiment... voilà, on devrait s'attendre à des super graphismes, à voilà, quelque chose qui envoie du lourd. Voilà, le jeu est beau sans plus, quoi, c'est un portage, c'est ce que je fais tourner sur... même sur mon petit Oppo, je crois qu'il est même plus beau que ça, quoi. Donc... est-ce qu'il y a des gros soucis au niveau du développement, du portage, j'en ai aucune idée, mais cette puce m'a vraiment déçu en termes de performance dans les jeux. On n'a pas des beaux graphismes, mais en plus ça arrive à ramer. Donc là, j'espère que ça va marcher, que je parle pas dans le vide. Mais c'est pas génial. Donc... là, ce serait bien que ça charge un peu. J'ai l'impression que Modern Combat 5 bug un peu. Donc, ça sera peut-être pas pour ce test-là. Donc, ce qui fait que, voilà, on est censé avoir une puce extrêmement puissante. Cette puce qui se retrouve aussi dans l'Asus Padfone 2. Malheureusement, ça ne marche pas. On va chercher un autre jeu. On va se faire un petit peu de bon squad, on va se détendre un peu. Donc là, Modern Combat était censé marcher, là il marche pas, je ne sais pas pourquoi. Totalement... aucune idée. Donc, ce qui fait qu'on va se faire une petite boucherie... voilà, hop. J'ai enlevé les musiques parce que, bien évidemment, pour pas me faire engueuler et tout par YouTube, on va éviter. Hop, dégage. Donc là, voilà. Par contre, voilà, on va dire que pour les petits jeux aujourd'hui, ça reste suffisant à Intel. Hein. Mais ce qui, enfin, pour moi, c'est pas que Intel manque de puissance là, c'est carrément qu'il y a un souci au développement. Il y a un souci sur la puce, puisque la puce graphique est censée être extrêmement performante. Donc, est-ce que l'Intel manque encore d'optimisation avec le X86, etc. Ouais, je pense. C'est vraiment là. Pour le coup, c'est vraiment compliqué de dire quelque chose, puisque je peux pas faire de benchmark. Donc voilà, en plus... voilà, on est censé quand même avoir quelque chose de super puissant, quoi. Et c'est assez incroyable que un Modern Combat ne puisse pas tourner à fond sur une puce qui a la même puissance, voire peut-être même plus puissante qu'un Snapdragon 600, qui est censé envoyer du pâté, quoi.
Donc malheureusement, Intel pour ça, c'est pas une belle idée. Enfin, si, en gros, si vous voulez des jeux de très bonne qualité, beau, etc., ce qui est possible, bah, actuellement, bah, c'est pas avec cet Android TV qu'il faudra compter. Viens là, viens là, viens là! Hop! Je viens de les balancer. Donc, bah, voilà ce qu'on peut dire sur les jeux. Alors, après, au niveau des jeux, j'en ai parlé déjà dans la surcouche. On n'en a encore pas énormément, mais on commence à en avoir de plus en plus. Donc, il faut s'attendre à un développement continu. Et je pense que quand ça débarquera en France, et j'espère que ça va débarquer en France bientôt, on aura droit à pas mal de jeux. Je pense que ce sera bien développé à ce moment-là. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'on peut jouer à Bomb Squad sans problème. En plus, Bomb Squad, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir brancher plusieurs manettes dessus. Et donc jouer à plusieurs et jouer entre potes, même dans la famille. Donc ça c'est plutôt sympa. On va se faire un petit jeu Riptide GP2. Alors, je vais faire une petite modification. Donc ce qui fait que oui, normalement la puce, non, je dis des conneries, en plus c'est pas 160 gigaflops, c'est 100, 136,4 gigaflops. Alors, je me suis gouré puisque le petit souci sur les jeux c'est que vous comme moi, pour ceux qui utilisent d'habitude. Alors hop, la manette, hop. Ici, normalement, c'est ce qu'on a, le bouton start pour faire la pause et select pour avoir les scores, les trucs comme ça. Et ben, ici, c'est le bouton home. Et donc, ce qui fait que, bah, on vient de voir ce qui s'est passé. Donc, quand ils disent press start, et ben forcément. Alors, LPN setting, on va mettre les graphismes à fond, on va voir si. Tout mettre à fond. Donc là, je crois que il n'a pas supporté. Je pense qu'il y a encore un souci au niveau de la puce d'Intel. Il doit y avoir des soucis de compatibilité. Même si ça se règle, à mon avis. Eh merde. Si ça se règle, on vient de voir que là, le jeu s'est fermé au moment où j'ai mis les shaders en high. On va réessayer voir ce que ça vaut. On va lancer le jeu. Voilà. Complexité des shaders, la puce est carrément, elle va, elle, le jeu plante complètement, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà, déjà il y a un souci au niveau de la compatibilité sur une partie du jeu. Donc on va réessayer sans mettre en high, on va mettre en médium. Et ah, il me refait encore avoir, trop l'habitude. Hein. Donc vous voyez, c'est là où on voit qu'Intel aujourd'hui c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour les jeux. Alors que c'est quand même un peu censé être justement. C'est censé être justement une grosse partie de cette Nexus Player, un hein, player, manette, voilà quoi, on est censé avoir quelque chose qui en jeu se démène plutôt bien. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors là j'ai mis en haute résolution et tout, on va voir si ça arrive à suivre. Normalement oui, parce que bon, le jeu est censé être sorti depuis quand même un bout de temps. Si le jeu s'en sort pas avec une haute résolution, on va avoir des soucis. Yeah! Après, donc en jeu, voilà, après ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a actuellement, on a du choix en termes de jeu, je l'ai montré pendant la surcouche. Donc malgré qu'il tombe pas à fond, ou même Modern Combat 5 qui, je ne sais pas pourquoi, n'arrive pas du tout à communiquer. Comme c'est à la base aux USA, il y a peut-être un souci avec ça. Parce que pourtant j'ai réussi à faire une partie avec, d'ailleurs j'étais un peu déçu. La manette, elle est plutôt de bonne qualité en plus de ça. Malgré le fait qu'elle soit un peu hyper épaisse, etc., on a droit quand même à une vraie manette avec des vraies gâchettes. Donc ça, c'est plutôt agréable. Faire ce que je connais bien.
Mais donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'en gros, on va avoir du choix, on va avoir du FPS, on va avoir de la course, on va avoir des RPG, on va avoir un peu tous les styles de jeux. J'ai vu des émulateurs aussi, j'ai vu du SNES, il va y avoir du PlayStation aussi. Donc ce qui fait que, même si ça tombe pas à fond, parce que c'est pas forcément ce qu'on demande à ce type de micro-console en gros, au moins ce qui est bien, c'est qu'on a un catalogue qui est plutôt large. Ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout une visibilité de ce catalogue, mais ça commence à s'améliorer. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment du choix, hein. On a quasiment autant de choix que sur console. Enfin, peut-être pas, mais on commence. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de jeux aussi qui vont chercher plus du vrai gameplay. Donc là, on a vraiment un vrai gameplay, je joue même mal. Un vrai gameplay un peu qui demande un petit peu de skill, quoi. Donc ce qui fait que ça peut plaire à pas mal de gens. Ce genre de petite console, voilà, vous cherchez à avoir des jeux pas très chers, des choses comme ça. Et ben, je pense que vous pouvez être comblé, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même KOTOR. KOTOR, c'est un jeu mythique pour les rétro gamers. Et pour ceux qui l'ont pas fait, qui adorent l'univers Star Wars, avoir KOTOR sur Android, c'est quand même vachement bien. Et l'avoir maintenant sur des micro-consoles comme ça, c'est vraiment une aubaine. Allez, on va se terminer avec un dernier jeu. Non, on va pas prendre celui-là, il est un peu trop chiant. Donc on peut voir qu'on a même Prime Defender, qui est un Tower Defense, qui joue à la manette. Donc ça, c'est pas mal. Shark Evolution, pour ceux qui connaissent, jouable tactile très facilement, qui est même à la manette, donc ça, c'est sympa aussi. Leo's Fortune, Reaper, Skyforce Bomb Squad, alors ça, j'ai pas réussi à jouer par contre, et Beach Buggy Racing. Beach Buggy Racing, qui est dans le style un peu Mario Kart. On peut aussi jouer à plusieurs, moyennant quelques euros, donc jusqu'à 4 joueurs, avec des manettes Bluetooth, bien sûr. Donc là, c'est vraiment pour voir qu'on peut... En fait, c'est pas forcément pour montrer que les jeux sont pas les plus beaux, malheureusement, sur cette plateforme. Mais aussi, c'est pour montrer que Google a compris... Enfin, ce qui est bien avec Google, pour le split screen, vous voyez que, moyennant 5 euros, c'est aussi cher. Moyennant 5 euros, en gros, on va se retrouver avec un petit jeu où on va pouvoir jouer plusieurs, donc jusqu'à 4. Sur un petit jeu qui n'a rien... sérieusement, qui n'a rien envié à Mario Kart sur le côté fun de la chose. En plus de ça, il est gratuit, ou 5€ pour jouer avec plusieurs personnes. Eclipse, c'est par les mêmes développeurs que l'autre jeu que vous avez vu, Riptide, mais c'est dans un cadre plus fun. Donc là, on reconnaît vraiment le côté cartoon, etc. Et vous allez reconnaître vraiment une grosse facette de Mario Kart. Peut-être les petits bonus pour soi, les petits malus. Ah merde, c'est pas le turbo. Donc c'est ça qui est bien en fait sur ce petit truc là, vous prenez des petites manettes, donc elles sont à 20$ sur Amazon.com pour ceux qui veulent importer. Ou sinon vous avez des petites manettes Bluetooth, genre mais les IPGA que je teste, bah, vous pouvez les mettre aussi en Bluetooth, hein, donc si vous avez ça chez vous, ça marche très bien aussi. Et donc vous pouvez donc en profiter pour justement. Vous amusez, ils sont où? Je crois que j'ai semé complètement mes concurrents. Et ce qui fait que vous pouvez passer quand même des bonnes petites sessions entre Dead Trigger 2, après il y a Modern Combat 5, Asphalt 8, on va peut-être faire une petite partie dessus, mais de toute façon ça va pas installer par manque de place. Donc voilà. On a gagné la course. Alors, dernière petite chose, je vais vérifier parce que j'avais montré que j'avais. Alors, à mon avis, ouais, c'est ça le souci. On va vérifier un petit truc, parce que ça appartient au truc du jeu. 355 kg. Ouais, donc en gros, l'installation d'Asphalt n'est pas terminée parce qu'il n'y a plus assez de place. Donc malheureusement, je ne sais pas pour le montrer. Bon, je vous ai montré d'autres jeux de course. Mais ce qui fait qu'on peut avoir masse de jeux de tout type. Mais malheureusement, le plus gros souci, c'est pas forcément les jeux, mais c'est surtout la place qu'il y a dans cette console, qui est problématique. Donc si vous êtes du style, si vous avez la fibre surtout, bah voilà, vous pouvez vous amuser à enlever un jeu, en prendre un autre, au bout de 5 minutes, il est installé, hop, vous jouez. Mais pour ceux qui ont des connexions comme moi, un peu en carton, j'ai lancé... Ah ouais, donc un clic,
clic stick gauche, ça lance Google Play. Ouais, ça fait comme un clic en fait. Donc c'est assez étonnant. Bah, on va passer un peu à la conclusion. Alors que penser en fait de cette Google Nexus Player, fait donc par Asus? Le premier souci, c'est que c'est pas encore arrivé en France. Et ce serait bien, parce que c'est pas un mauvais truc. Le deuxième souci, c'est l'interface qui n'est pas des plus ergonomiques. Elle est dans la simplicité, mais elle manque vraiment de finition dans justement le fait qu'on soit un peu limité qu'à une seule ligne. Et qu'on ait une limite quand par exemple on fait des recherches sur YouTube ou des choses comme ça. Le troisième problème, c'est le stockage limité à donc à 6 Go en réel, même 5,5 Go puisqu'il faut laisser de la place quand même en interne. Ce qui fait qu'en termes de jeu, on va être très très vite limité, surtout si vous prenez des gros jeux comme par exemple KOTOR qui va prendre plus d'1 Go. Donc ça, c'est un peu le gros souci que j'aurais à dire sur cette console, c'est bien ça. Ce qui fait que, je comprends pas Google d'ailleurs sur ce choix d'avoir mis que 8 Go, parce que justement, c'est quelque chose qui est censé être multimédia entre les films, entre les séries, entre les jeux, entre la musique. C'est là où il y en a besoin de place, quoi. C'est typiquement le style de truc où on n'a pas besoin forcément d'une grosse puissance, mais surtout de place. Et Google a complètement loupé ce point-là. Donc pourquoi, j'en ai aucune idée, mais avoir mis 8 Go seulement, c'est pas normal. Pour moi, c'est carrément, ça va au-delà de toute logique. Autre défaut, c'est que le store n'est pas complet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeux auxquels qu'on a sur notre Android, qu'on n'a pas sur Android TV, parce que ça n'a pas été adapté pour les développeurs. C'est quelque chose qui est en train de se régler. Aujourd'hui, par rapport à sa sortie, on a une très très grosse différence en termes de jeux. Alors, c'est toujours en train de se développer. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on ait surtout ça en France, comme je l'ai dit. Au niveau de ses avantages, qu'est-ce qu'on peut dire un peu, parce que j'en ai beaucoup parlé. Ses avantages, c'est le fait que ce soit déjà pas très cher. Pour 120€, on a une puce qui est quand même très puissante, même si en jeu, ça se remarque pas, malheureusement. On a une manette qui est plutôt de bonne qualité, même si elle est un peu gravée, un peu, c'est un peu du brut, quoi. Il n'y a pas eu de grosse optimisation en termes de taille. Qui fait que pour 120, environ 130€ grand max, on se retrouve avec une console qui fait à peu près tout ce que fait une console actuellement. Et quand j'ai une console, c'est la Xbox One. À part des graphismes de fou, ça fait à peu près tout ce qu'on demande. C'est-à-dire, on veut des jeux, on va pouvoir lire des DVD, des Blu-ray. Bon, là, on peut pas les Blu-ray, mais on va pouvoir regarder des films, on va avoir YouTube, on va pouvoir écouter de la musique. Si vous avez une bonne sono, ça va être pratique. C'est tout petit, hein. c'est vraiment petit, limite vous pouvez le mettre dans la poche, donc ça c'est plutôt sympa. Autre avantage, on peut tout faire dessus au final, enfin au côté tout multimédia, pour ceux qui sont des grands dévoreurs de multimédia, entre YouTube, entre Google Films, entre Google Music, entre Netflix, Music Smash, dans le sub de musique, j'ai même pas regardé d'ailleurs ce que c'était. On a un choix assez impressionnant de jeux, quoi. Donc, ce qui fait que c'est vraiment son gros avantage, c'est que pour le prix, on a quelque chose qui est super agréable. C'est super agréable d'avoir autant de choix comme ça, d'un peu de tout. Je ne cherche pas à comprendre. Ce qui fait que, voilà, tant que le stockage ne vous rebute pas parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de jeux, que vous avez une bonne grosse connexion, au pire, c'est un bon choix. Pour moi, je trouve que c'est exactement ce que j'attendais d'une console comme la Nexus Player. C'est une interface simple à comprendre, simple à utiliser, très simple à la manette, qui est bien mieux que la Movie Cube d'ailleurs, de ce point de vue-là. D'avoir du choix de jeu, parce que c'est ça qui est bien, c'est que du choix de jeu et des jeux qu'on peut jouer en local, entre Bomb Squad, Beach Buggy Racing, peut-être Skyforce. Il y a Reaper, Dead Trigger 2 aussi, vous pouvez faire des petites sessions et vous échanger toutes les 5 minutes, peut-être Reptid 2 aussi. Il y a du choix, il y a vraiment moyen de s'amuser entre potes, de se regarder des séries, tout ça.
Donc, c'est vraiment une bonne idée de Google. Pour moi, globalement, elle vaut le coup. Elle vaut le coup en termes de perf, etc. Tant que, voilà, tant que le stockage ne rebute pas, c'est peut-être son plus gros problème. C'est le stockage. Le fait d'avoir choisi 8 gigas, c'est son plus gros défaut. Et le fait de ne pas l'avoir encore vendu en France, que ça reste aux USA. Donc sur ce, j'espère que ce test présentation, parce que c'est un peu particulier, vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dessus. J'espère que j'aurai pas trop blablaté pendant ce test un peu particulier. Et sur ce, je vous dis à prochain test sur AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partager aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt.